Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer ou... Comme vous voulez, comme aurait dit Mitterrand, comme disait Mitterrand. On se tutoie, ça sera On peut. plus sympa. On peut. Alors, tu peux te présenter peut-être, me Oui. dire où on se trouve. Donc voilà, Patrick Baudouin, je suis vigneron en Anjou, dans la partie qu'on appelle Anjou noire en référence géologique, c'est-à-dire la partie ouest sur le massif armoricain. Ok. Et je suis vigneron sur une douzaine d'hectares entre la rive droite de la Loire, une parcelle de Savenières, et puis des parcelles côté Layon, sur les deux rives. Hein, voilà. Et voilà, donc je fais du Savenières, du quart de Chaume, et puis beaucoup, essentiellement des Anjou blancs secs. Et je suis en bio certifié depuis 2005. Ok. Et donc t'es en bio, il y a une idéologie derrière. T'es en bio pour, enfin, je veux dire le côté marketing de la chose ou pour le côté protection de l'environnement ou pour les deux parce que au final. À mon avis, il n'y a personne qui va te répondre, je suis en bio pour le marketing. Ce qui ne veut pas J'imagine. dire qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas le problème, quoi. Non, 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 moi je suis mis en bio par conviction, pas par connaissance agrologique particulière, parce que je n'ai pas de formation particulière, j'ai pas fait l'agro, j'ai pas fait, je suis pas. Voilà. Je viens d'ici, mais j'ai fait un long détour dans une autre vie à Paris. Et voilà, je n'ai pas de connaissances approfondies en agriculture, quoi. Non, c'était par choix environnemental et citoyen, je dirais, et par crainte de l'avenir de la planète, toi. Ok. C'est rapport aux pesticides, aux Voilà. intrants. Ok. Mais et Et du puis parce coup, que quand j'ai commencé effectivement avec un peu de désherbant. Et j'en mettais pas assez d'ailleurs, parce que les vignes étaient pleines d'herbes, et avec des produits de traitement de synthèse qui sentaient très mauvais, et ça me plaisait vraiment pas du tout. Et dans une vie antérieure, j'avais été plutôt écolo aussi, quoi, donc politiquement, je veux Ouais, dire, quoi. oui, tu avais cette Donc sensibilité j'avais cette déjà. sensibilité-là. Ok. Et pour. Donc, ok, t'as pas commencé en conventionnel, tu t'es mis direct en bio. Non, j'ai T'as commencé en commencé, ouais, ok. conventionnel parce que j'étais complètement ignare au niveau agriculture, je ne savais pas labourer, je savais pas quoi en faire en fait, quoi. Donc j'ai pris le chemin le plus simple entre guillemets, et puis ça me plaisait pas par rapport à mes convictions ou mes envies. Et j'ai eu une rupture avec le conventionnel en plusieurs phases, mais ma première phase, en fait, elle ne s'est pas faite là-dessus, elle s'est faite sur la chaptalisation, qui était la règle de fabrication des layons à l'époque, hein. Et j'ai chaptalisé un petit peu du bout des doigts jusqu'en 1980, pendant 3 ans, en fait, 1990-1993, et j'ai arrêté. Et ça a été ma première rupture, on va dire, hein, avec le système dominant ici. Et puis en 97, comme ça me plaisait vraiment pas du tout de travailler en chimie, j'ai acheté un intercept hydraulique, j'ai recommencé à travailler les sols, j'ai abandonné petit à petit les produits chimiques de synthèse dans les traitements aussi. Et en fait, bon, j'ai eu une année de loupé au niveau administratif, mais en fait, j'ai été en bio, vraiment réellement bio, à partir de 2001. Voilà. Ok. Et du coup, maintenant, là, dans les vignes, pour le désherbage, etc., tu laisses tel Non, quel ou tu... non, non, on travaille, c'est compliqué parce que tout le monde se pose la question de la vie du sol. Voilà, donc mon pépiniériste qui me dit, Patrick, il faut absolument que tes pépinières elles soient nickel parce que sans ça, la vigne va crever. Et puis en plus, il faut apprivoiser ces terroirs, ça demande finalement du temps, surtout par rapport aux enjeux actuels, la sécheresse. Donc on réfléchit un peu à tout. Comment doser la vie microbienne du sol, la diversité biologique, et comment faire évoluer les encépagements aussi, avoir des porte-greffes qui vont plus profond.
Voilà, il y a tout un, il y a des vrais enjeux en ce moment, et là il fait sec, donc, ouais. Ça va être une donc année c'est compliqué de laisser enherber sur des coteaux qui sont très arides, ouais. Où il y a, et nous on n'est pas sur la partie est du département, où il y a des argilo-calcaires. J'étais en Bourgogne, hier, avant-hier, là. Bon, c'est d'autres sols quand même, nous on a des réserves utiles en eau extrêmement faibles. Oui, du coup... Des sols superficiels, des schistes, des grès schisteux, voilà. Ouais. Donc c'est compliqué. Ok. Ça, c'est pas par, c'est pas, on intervient par ça, parce que j'aime pas laisser les sols nus. En même temps, voilà, ça c'est un autre débat avec les vins nature, mais la vigne, c'est, si on met l'homme en dehors de la nature, c'est absolument pas naturel la vigne. Quoi. Ouais. Tout ce qu'on on fait pas de vigne. Quoi. Non, c'est une liane qu'on a arrachée de son milieu qui est des arbres et puis qu'on a mis à 10 000 pieds hectares. Ça n'a rien à voir avec la vigne génétiquement qui a 65 millions d'années. Oui, de toute façon, l'agriculture de base, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est pas naturel. C'est naturel si on met l'homme dans la nature et on admet que l'homme fait des choix. Et la bombe atomique, c'est très naturel, donc c'est peut-être un mauvais choix. Ouais. Mais c'est un choix naturel. C'est sans doute un mauvais choix. Il y a de grandes chances. Ouais. Et du coup, pour aller plus loin que le bio, on parle de biodynamie en ce moment, et ça a une espèce d'aura vertueuse, d'aura de presque de bienveillance envers la nature, etc. Pourquoi tu n'es pas en biodynamie? C'est quoi qui ne te convainc pas dans la biodynamie? Parce que c'est un label qui est hyper intéressant du point de vue des traitements. Enfin, il y a un cahier des charges qui est hyper rigoureux là-dessus. Mais qui n'apporte rien, à mon avis. Ouais. J'ai été amené à réfléchir à ça depuis longtemps, parce que d'abord je suis entouré de collègues qui font de bons vins et qui sont en biodynamie, et j'aime les vins et je les respecte, et la plupart c'est des amis. Mais j'ai été amené à y travailler davantage, parce qu'on me disait, mais pourquoi, en plus maintenant, je suis en bio certifié depuis 2005, on travaille en partie au cheval, il y a des moutons dans les vignes, l'hiver, on plante pas, là la parcelle qu'on a plantée récemment, il y a des bandes non seulement enherbées mais des arbres, divisé les parcelles une parcelle en trois alors qu'elle fait, elle fait 60 arbres, quoi. Bon, on l'a divisé en trois. Bon, et on me dit, pourquoi tu n'es pas en biodynamie, l'étape supérieure du bio? Et donc j'ai été, comme j'avais déjà quand même un peu réfléchi à la biodynamie et un peu lu, j'ai été amené à approfondir ça, parce qu'on me posait cette question-là assez souvent, que ce soit des clients, particuliers amateurs de vin, ou des restaurateurs, des cavistes, ou des journalistes. Donc voilà, j'ai travaillé, j'ai lu. Ouais. Et sans prétention, je peux dire que je pense avoir beaucoup plus lu Steiner que 80% des collègues qui sont en biodynamie. Okay. Voilà. Donc je me suis fait une opinion et, en échangeant aussi beaucoup. Ouais. Ouais, parce que du coup, tu as appris avec les biodynamistes d'à côté, les pratiques qu'ils ont t'ont pas convaincu, parce que je sais qu'il y a des préparations un peu bizarres. Ce qu'on disait tout à l'heure, la vessie de serre séchée, etc., ça ne te convient pas en tant que viticulteur, ou c'est autre chose qui... C'est d'abord que quand on lit Steiner, on se rend bien compte que ce n'est pas un fondement agricole. D'abord, il a fait ses cours à la fin de sa vie, la vigne, il ne connaissait pas du tout, il n'aimait pas le vin, ou il n'en buvait pas. Ce qui m'a frappé, c'est plusieurs choses. C'est que, et ça, ce livre-là, avec la préface de Nicolas Joly, très bien, ce que sont les préparats, d'une part, d'autre part, ce sont les cours aux agriculteurs. Alors, les cours aux agriculteurs, il y a 99,99% de mes copains en biodynamie qui l'ont pas lu, qui lisent trois pages et puis ils s'endorment, ou ils disent quoi. Et ils cherchent les recettes là-dedans. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'avis au lecteur. Parce que ça, personne ne le lit. Hein. Et cet avis au lecteur, il est très court, il fait une demi-page, quoi. Hein. Et là-dedans, c'est Steiner qui explique.
Et il dit, bon, il explique que le contenu de ses publications était destiné à la communication orale et non à l'impression. Et ensuite, il dit, nulle part il n'est rien dit qui ne soit uniquement le résultat de l'anthroposophie. Le lecteur de ses publications privées, donc ça s'adressait à un public privé, peut pleinement les considérer comme une expression de l'anthroposophie. C'est pourquoi on a pu, sans scrupule, déroger à l'usage établi qui consistait à réserver ses textes aux membres. Il faudra seulement s'accommoder du fait que dans ceux des sténogrammes que je n'ai pas revus, il se trouve des erreurs. Bon, ça, c'est pas grave. On reconnaît la capacité de juger du contenu d'une telle publication privée qu'à celui qui remplit les conditions préalables à un tel jugement. Donc, on ne peut pas comprendre ça si on ne remplit pas certaines conditions. Et quelles sont ces conditions? Pour la plupart de ces publications, figurent au moins parmi ces conditions la connaissance de l'enseignement anthroposophique sur l'homme et le cosmos et celle de l'histoire selon l'anthroposophie, telle qu'elle découle des communications provenant du monde de l'esprit. Donc ce qu'il est dit très clair, moi je n'invente rien, c'est marqué là, c'est qu'on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas étudié l'anthroposophie. La science du monde de l'esprit. Bon. Ça veut dire que ce n'est pas dedans. Dedans, c'est des descriptions de pratiques. Bien sûr, il y a des références cosmologiques, de relations entre les planètes, etc., ou des animaux avec les planètes, ou des plantes avec les planètes. Mais ce n'est pas la base. Et la base de Steiner, c'est un occultisme. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est que quand on coche les cases qui sont la condition indispensable pour être, se revendiquer de la biodynamie, on ne peut pas se revendiquer de la biodynamie sans être adhérent et sans avoir rempli des conditions. Ouais. Je me suis vu un jour menacé d'un procès et de représailles par un anthroposophe, un vigneron biodynamiste, parce qu'il prétendait que sur mon stand, on avait dit qu'on était, on faisait de la biodynamie. Ce qui était faux, mais c'est surveillé, quoi. Ouais. Hein, donc il faisait le tour, puis il menaçait tout. Enfin, et moi, il m'a menacé, en tout cas. Et ça veut dire qu'il y a un moment, je suis obligé aussi d'en parler. Hein. Ouais. Bon. Et dire non. Donc j'ai écrit un recto verso que j'ai publié. Ouais. Hein. C'est pour ça que je suis venu. Hein. voilà, dont Dupont s'est servi aussi. Enfin, bon, il en fait référence dans la série qu'il a fait dans Le Point, là, là-dessus. Bon. Et c'est très clair, c'est ça, c'est ce que Nicolas Joly explique dans l'introduction à ce livre-là qui s'appelle « Êtres élémentaux, fondements spirituels de la biodynamie » d'après Rudolf Steiner. Et Nicolas Joly, il dit très bien, alors je mets mes lunettes parce que quand même, voilà. Hein, la compréhension de l'action des êtres élémentaux est indispensable. Quand un bourgeon devient feuille, puis fleur, puis fruit, c'est un travail très spécifique qui est à chaque fois mené par une catégorie précise de ces êtres élémentaux. L'action des préparats en biodynamie passe systématiquement par leur travail. Voilà. Donc, s'adresser directement à eux, comme on le fait encore souvent dans certains pays asiatiques, permet un pas de plus vers le retour du sens profond des appellations dénuées de toute technologie. Comment parler de force sans comprendre ceux qui les amènent, je veux dire les êtres élémentaux. Donc, les préparats n'existent pas sans la référence aux êtres élémentaux qui sont les gnomes, les sylphes, les ondines et les salamandres, qui ont été créés par les archaïs, etc. Bon. Donc, sauf que quand on coche les cases des préparats, on s'engage à les faire des préparats, il n'y a pas marqué en dessous ou au bout, qu'on fait appel aux êtres élémentaux. Que c'est une offrande à la salamandre. C'est une offrande et c'est la recherche de renouer le contact, ça c'est Steiner qui le dit, avec les êtres élémentaux et les archaïs. C'est-à-dire que l'homme a été créé, et il est de la matière, qui est pas très, voilà, qui a beaucoup de défauts, et qu'il faut renouer avec le cosmos. Et que faire des préparats, c'est travailler à renouer avec les êtres élémentaux, donc avec les archaïs, donc avec le cosmos. Ok. Bon. Donc là, pour moi, il y a quand même... alors c'est l'occultisme occulte, je dis, quoi, ce qui est un peu gênant. Ouais. Quelqu'un qui me dit « je crois », ok.
Ça, c'est tu vrai. Y crois, on en discute, moi j'y crois pas. Mais l'adhésion qui est dont les bases sont masquées, là ça me gêne beaucoup. Ouais. Voilà. Il y a eu un manque grave de la science agronomique officielle qui a légalisé, qui a justifié toute l'agrochimie telle qu'on la connaît et qui est un désastre, quoi. Ouais. Bon. Et qui avait pas de réponse en face. Il y a une rupture avec... Alors, les machines, évidemment, c'est très... Steiner dit que c'est le diable, c'est Harriman. Bon. Ouais. Donc, tout ce développement sur lequel on est en train de se beaucoup de se poser de questions sur où est-ce que ça mène l'humanité, ce rapport à l'énergie, ce rapport à la puissance, à la prédation, ce rapport à la nature, y a, évidemment, tous les collègues qui sont en biodynamie, ils cherchent à renouer avec la nature, ils cherchent des solutions pour ça. Et comme on peut le faire en bio ou en agriculture raisonnée. Comment ? Et puis, ils cherchent aussi un esprit, une poésie. Voilà. Donc c'est du romantisme, en fait. C'est alors, cherchent... voilà, bon, je ne sais pas si tu me tends la perche, mais de toute façon, ce qui est très clair, c'est que Steiner est vraiment à fond dans le courant romantique fin 19e siècle, où Victor Hugo faisait tourner les tables et où on cherchait les esprits. Quoi. Bon. Ouais. Donc, mais c'est du 19e siècle, c'est une partie qui vient du romantisme allemand du 19e siècle, c'est très daté. Ouais. C'est vraiment très daté. Donc moi, je dis, non, j'ai pas besoin de ça. Mais pour renouer avec la nature, essayer de comprendre, il y a à la fois des vrais scientifiques qui travaillent là-dessus, et j'en connais, et je les rencontre, et on discute, et on lit. Il y a à la fois notre travail, on a travaillé au... Voilà, on utilise très peu d'intrants, on essaye de comprendre les oiseaux, les chauves-souris... Ah, mais j'ai pas besoin d'insecticide pour ça, quoi. Ouais. Oui, tu vas faire de la gestion de ravageurs avec peut-être de la lutte biologique, etc. Mais, Alors, la gestion, par exemple, des revers de la grappe, j'ai toujours refusé d'utiliser la confusion sexuelle. Ouais. Par contre, j'ai été, pas le premier, on n'est jamais le premier, mais parmi les pionniers, j'aime pas ce mot-là, parmi les premiers, à pousser pour qu'on travaille sur la relation des chauves-souris au vers de la grappe. Donc on est en train de travailler là-dessus. On a replanté une haie et maintenant plusieurs haies, par exemple à Quart de Chaume, pour que les chauves-souris ne fassent pas simplement leur trajet le long du Layon, parce qu'elles ont besoin de balises arborées pour à la fois manger et se guider, et pour qu'elles puissent remonter dans les coulées et remonter jusqu'aux vignes. Il faut chercher. Puis ici, il y a plein d'oiseaux. Il n'y a pas d'insecticide. On n'a pas d'insecticide, on n'a pas de dégâts de ravageurs. Ouais. Et peut-être une question un petit peu à part pour. Est-ce que tu utilises la bouillie bordelaise ou des pesticides bio, mais qui sont un peu critiqués rapport au cuivre Bien sûr, moi j'ai pas d'autre solution efficace. C'est-à-dire, il y a du travail. Alors, on vient de postuler pour faire partie. D'un travail mené par l'INRA avec l'INRA de Montpellier, qui s'appelle Vitae, et qui tend à faire un maximum d'expérimentation pour se passer ou minimiser les pesticides. Ouais. Parce que de toute façon, c'est évident que balancer du cuivre qui vient des mines du Chili ou du soufre qui vient du pétrole ou des mines d'Indonésie dans les vignes, c'est quand même pas très terrible, quoi. Hein. Ouais, ça, bio ou pas bio, on peut pas dire que voilà, quoi. Ceci, je pense que ça fait beaucoup moins de ravages environnementaux aux doses où on les fait que les pesticides de synthèse qui sont cancérogènes, qui sont etc. Bon. Donc ça me fait aussi un peu, je trouve ça aussi un peu drôle, quoi, que les... Alors l'autre enjeu, c'est par rapport justement à ça, c'est ce qui est poussé en ce moment, ça s'appelle les restes durs. Mm-hmm. Tu as peut-être entendu parler. Non. Alors c'est résistant durable, c'est-à-dire que comme il y a une réelle pression sociétale qui est justifiée par rapport à l'utilisation des pesticides, même le bio est sur la sellette. Parce que on voit un pulvé passer, nous on n'a pas écrit en gros agriculture biologique. Et puis c'est même pas évident que ce serait efficace. Quoi. Ouais. De toute façon, il y a un problème. Comment on peut résoudre ce problème-là? Nous, on préfère adhérer à faire partie de ce groupe de travail-là. Mm-hmm.
Et plutôt que d'aller dans ce qui nous semble être encore une course technologique, qui ne tient pas compte de, bah, de fondamentaux ou de et du patrimoine et d'une vraie histoire des, des cépages. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que les restes durs, c'est créer des hybrides interspécifiques à partir de quelques cépages, on va dire emblématiques, ça peut être la Syrah, ça peut être le Chardonnay, ça peut être le Chenin, et les faire des rétro-croisements sur plusieurs générations avec des rotundifolia principalement, c'est-à-dire les vitis américaines, qui ne sont pas des vitis vinifera, qui ne sont pas donc capables de donner d'eux-mêmes des raisins et du vin comme on l'aime, hein. Et en isolant sur chaque génération l'individu ou les individus qui sont porteurs de gènes de résistance à l'oïdium et au mildiou, puisque les variétés américaines, hein, le sous-genre américain, comme il a coévolué avec l'oïdium et le mildiou, il vit avec, comme avec le phylloxéra. Donc voilà. Le problème, c'est que d'une part, jusqu'à présent, tous les vins que j'ai goûtés de ça, ça fait des vins qui sont sans doute aptes à faire des vins de volume, qui ne signent pas une identité, une origine de terroir, qui sont assez variétaux, et que ça ne remplace pas. Enfin, on a 8000 vitis vinifera, qu'on n'en exploite que quoi, que 15, que 20. Avec 20 cépages. Les cépages, c'est les vinifera. Ce n'est pas des cépages des autres. Hein, c'est, il y a eu une volonté très volontaire de confusion entre cépages et variétés. Parce que les appellations d'origine contrôlée sont basées sur, depuis Phylloxera, depuis qu'on a trouvé la solution du greffage, sont basées sur vitis vinifera. Et c'est interdit, normalement, dans les cahiers des charges. C'était interdit jusqu'à présent. De mettre des autres choses que du vitis vinifera. Et il y a eu une tentative de passe-passe scientifique là-dessus, en disant, bah, comme il y a 95% de gènes du chenin, par exemple, on va dire, et seulement 5% du sous-genre rotundifolia, l'espèce, finalement, c'est des vitis vinifera. Et puis comme ça, on peut les mettre dans les appellations. Alors, il y a un débat scientifique là-dessus, et il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et moi, j'aime bien dire que entre un bonobo et nous, il n'y a que peut-être que 5% de différence, mais pourtant, moi, j'ai pas envie de faire un bisou à un bonobo, quoi. Bon, pas pareil, quoi. Ça dépend quel bonobo. Ou une banane, quoi. Donc, c'est. Alors, si on veut mettre des hybrides interspécifiques dans les appellations, il faut le dire, mais il ne faut pas appeler ça vitis vinifera, il ne faut pas appeler ça des cépages. Ça, c'est un débat scientifique. Après, il y a le contenu politique. Est-ce qu'on va le faire ou pas? La crainte que j'ai, et que je vois arriver quand même très fort, c'est que ça va réduire encore la diversité génétique. Parce que ce n'est pas vrai qu'on va multiplier sur les 6000 ou 8000 vitis vinifera qui existent, qu'à chaque fois, on va en faire des restes durs. Donc, ça va être fait autour d'une minorité de cépages. Ça marchera plus ou moins bien, sans doute plutôt moins bien que contre quand on ment. Et les vignerons, ils seront encore plus dépendants de la filière IFV en TAVE France Agrimaire et quelques pépiniéristes. Et les sélections massales terminées. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt explorer le vaste réservoir inexploré de vitis vinifera, d'une part. D'autre part, travailler sur réduire la monoculture de la vigne, parce que qui dit monoculture et culture intensive dit fragilisation, sensibilisation aux prédateurs. Et comment on peut faire ça? Dans la vigne, c'est que de la monoculture quasiment. Oui, mais il faudrait peut-être revoir ça. Parce qu'il y a des régions que je n'aimerais pas, dont j'aime les vignerons et les vins, mais quand je les regarde, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est de la viticulture industrielle, c'est un désert. C'est intensif. C'est un désert viticole. Et puis les sols, ils s'en remettent pas, quoi. Et puis les sols, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a pas d'oiseaux. Les oiseaux, ça pousse sur les arbres. Donc, voilà.
Ouais, mais là, ça serait tout le paysage viticole français qu'il faudrait revoir, quoi. Enfin, Là, c'est exactement là-dessus qu'on travaille, ouais. c'est la notion de paysage. Et on y travaille aussi dans le cadre de la Paulée de l'Anjou, là, qui va se tenir le 27 juin. Et ça va être un sujet de la table ronde qu'on est en train d'organiser. C'est-à-dire que le vignoble du Val-de-Loire, en particulier en Anjou, a une. Il y a un, on est patrimoine UNESCO, une partie de la vallée de la Loire, mais il y a une histoire avec le Roi René, avec ça, il y a un vrai patrimoine de succession de jardins avec des cours d'eau. Hein. Il y a le Loire, il y a la Loire, il y a la Maine, il y a, il y a le Layon, il y a l'Aubance, voilà, la Sarthe, tout ça, enfin cette partie-là, Loire élargie, on va dire quoi. Mais on est un pays à la fois de coteaux et à la fois d'eau et de jardins. Et donc, garder ce patrimoine-là avant qu'il disparaisse, parce qu'il y a des tentations, l'embellir, le valoriser, et en faire vraiment quelque chose qui donne envie, quoi, qu'on se promène là-dedans et que ce ne soit pas des vignes sur des piquets à perte de vue. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu, et moi j'aimerais bien Puis qu'on ait. une vraie réflexion derrière. Ouais. Et du coup, est-ce que le génie génétique peut pas aider là-dedans? Là, genre les OGM, les trucs comme ça, j'y connais pas grand-chose, mais est-ce que ça pourrait pas aider Alors là, il y a un débat, c'est-à-dire que les hybrides interspécifiques ne sont pas considérés comme des OGM. Les je sais plus, NBC, je sais plus quoi, ce qui est l'étape scientifique, je connaissais ça par cœur, là, mais j'ai oublié, j'ai pas assez revu. Mais qui sont l'étape suivante, en fait, qui est envisagée par la grosse science génétique, en fait, non pas procéder par rétrocroisement, mais avec la technique CRISPR, c'est-à-dire les ciseaux enzymatiques, qui permettent de découper de façon très précise les gènes de résistance qui sont présents chez les rotundifolia ou autres espèces du sous-genre américain. Et de les insérer de Directement. façon très précise dans le génome des Vitis vinifera, en disant voilà, ça a marché. Alors en fait, c'est d'après les discussions que j'ai eues, voilà, je pense que c'est quand même extrêmement compliqué et que c'est pas du tout certain que ça marche parce que quand on touche au gène, en fait, ça interréagit, quoi. Il n'y a pas longtemps, on était à Bordeaux avec des femmes, des scientifiques qui travaillent là-dessus. Et, voilà, quand elles disent, c'est pas très simple. C'est pas si facile. L'idée est bonne, mais c'est pas si facile de la mettre Elle est bonne, mais en même temps, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on fait de la science, quoi. On est quand même au pays de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et par quoi on est guidé quand on fait des recherches scientifiques? Qu'est-ce qu'on cherche? Sur quoi on s'appuie? C'est quand même la question. Après, si on a une solution qui est facile à faire et qui pourrait résoudre le problème de maladie, etc. Pourquoi pas, j'en sais rien aussi. Ouais. Moi, je demande à voir, mais le problème, c'est qu'il y a toujours l'envers du décor, quoi. Sur les résidus, l'envers du décor, c'est qu'à mon avis, on réduit complètement la diversité génétique et on met tous les vignerons en dépendance d'une filière très étroite, Avec le lobbying qu'il peut y y avoir compris derrière. financière. Oui, clairement. Et je sais pas pourquoi elle s'arrête de temps en temps. Hop. Pour revenir à la biodynamie, du coup, tout à l'heure, tu parlais d'anthroposophie. Il y a un problème derrière l'anthroposophie, à part que c'est un occultisme. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à l'anthroposophie? Parce qu'au final, bon, si c'est pas dérangeant, qu'un vigneron ou qu'un maraîcher cultive son champ en biodynamie, ça le regarde et. Oh, mais bon, c'est bien sûr que ça le regarde. Après, ce qui m'ennuie, c'est que il y a des vrais enjeux qui sont très très lourds et très violents par rapport à l'avenir de voilà quoi, de l'agriculture et de la viticulture, et que je vois qu'il y a une énergie pas possible qui est dépensée par les collègues à touiller. Des trucs la nuit, là, enfin bon, je caricature, mais hein, dans un sens, dans l'autre, ça, ou même. Et
enfin, je peux, c'est une, pour moi, c'est une perte d'énergie par rapport à de vrais enjeux. Ok. Ouais. Voilà. Okay. C'est essentiellement ça. Après, qu'il y ait aussi l'opportunisme commercial, mais c'est comme partout, donc c'est pas, ça existe. Oui, oui. Mais bon. Mais ce qu'il y a de vrai, et c'est aussi pour ça que je suis quand même obligé un peu de prendre position, c'est que quand tu n'adhères pas à la biodynamie, comme je le fais, c'est-à-dire en toute, je pense, réflexion quand même, quoi, recherche, tu es à l'écart de certains courants commerciaux. Parce que c'est un courant commercial puissant, qui organise des salons et qui a un vrai succès. Okay. Donc c'est vrai que t'es un... après t'es un peu nulle part quoi. Ouais. Parce que les vins bio sont pas, enfin quand tu parles de salon, c'est les salons vins bio naturels etc. ou c'est autre chose. Alors c'est vrai que je cherche surtout, alors je suis en bio, hein, je vais la levée de la Loire, et... voilà. Mais en même temps le bio c'est, en fait le bio il est C'est très bien, ça a été une réaction par rapport justement à cette agriculture intensive, industrielle et chimique. En même temps, c'est loin de répondre dans l'état actuel officiel, même s'il y a beaucoup de vignerons bio qui font bien au-delà. Ouais. Mais si tu regardes le cahier des charges, ça va quand même pas très loin par rapport aux enjeux. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en apparence, la biodynamie peut sembler plus complète. Ouais. Voilà. Pour moi, elle ne l'est pas, parce qu'elle se base sur des recettes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et qui sont cachées, dont les fondements sont cachés, donc ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que les salons biodynamie, ça marche très bien. Il y a plein de bons vignerons et plein de bons vins, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, parce qu'en plus, ça correspond à une aspiration qui est dans l'air du temps. Oui, et les consommateurs ne sont pas forcément au courant que dans leur vin, enfin, pas dans leur vin, mais que pour faire pousser la vigne ou pour faire pousser les légumes en biodynamie, il y a tout un tas de préparations qui sont un peu aberrantes, quoi. Enfin, même s'ils sont au courant, ils pensent pas forcément que... Bon, c'est des recettes, quoi. Donc, puis c'est le lien avec la nature, avec la lune, avec tout ça, donc... ça répond aussi à une aspiration des consommateurs. Oui. Oui, mais moi je prends toujours l'exemple de la vessie de serre et du crâne de cheval. Les recettes sont pas au courant, ça en général. Voilà. Parce que la bouse de corne, encore, ils sont à peu près au courant parfois. Voilà. Mais alors, Qu'après, quand le vin il est estampillé vegan ou quoi, ça pose question. Parce que, en général, les gens qui vont dans ce genre de salon, ils sont plutôt axés dans tout ce qui est naturel, vegan, etc. Et ils sont pas forcément au courant de ce genre de préparation. Je trouve ça. Bizarre et comme c'est caché, c'est encore pire quoi, pour le consommateur. Bon, après. Donc, je trouve que c'est une perte d'énergie dans le sens où il faudrait vraiment chercher collectivement des choses plus intéressantes. Ouais. Et le courant anthroposophe derrière, parce que il y a tout ce qui est école Steiner-Waldorf, tout ce qui est médecine anthroposophique, est-ce que toi, des retours que tu as de peut-être tes collègues en biodynamie, est-ce qu'ils sont dans ce genre, vraiment dans ce genre de mouvement, ou ça va dépendre des... Honnêtement, je pense que... Mais là, j'en sais rien. Ouais. La plupart des collègues qui sont en viticulture biodynamique, je pense qu'ils ne sont pas Waldorf et le reste. Okay. Pour eux, c'est un lien avec la nature et une façon de bien travailler dans l'esprit, mais dans l'esprit de la nature, pas dans l'esprit de Steiner. Et voilà, c'est ça qu'ils recherchent. Ouais. Donc, ils sont, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a qu'une toute petite minorité qui est vraiment, vraiment, vraiment anthroposophe et qui va aux écoles Waldorf et qui font le pèlerinage, etc. quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, et du coup, tu as lu Cosmo Bacchus de Jean-Benoît Beybeck. Oui, quand je suis tombé là-dessus, je lui ai écrit à Jean-Benoît Beybeck, on a dédicacé un, et puis voilà, quand on a un peu changé. On a failli se voir, on n'a pas encore eu le temps de se voir. Mais il a sorti l'intégrale maintenant. Oui, je sais. Bon, écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir reçu. Voilà. Bon. T'as peut-être autre chose à dire ou... Non, mais bon, là, c'est peut-être un petit peu décousu, mais c'est vrai que si... sur le site du domaine, domaine Patrick Baudouin, il y a un lien avec un petit recto verso qui
quand même assez argumentée. Ouais, assez, je le mettrai en description de la assez vidéo. Documentée, ouais. Voilà, qui permet de discuter. Et je connais des anthroposophes vrais, les vrais anthroposophes qui m'ont dit, mais oui, t'as raison, c'est ça. Donc c'est pas. Voilà. Une fois que c'est assumé. C'est sur le débat, quoi. Ouais. C'est pas antagonique, ouais. C'est le débat. Ouais. Oui, une fois que c'est assumé, il n'y a pas trop de soucis. C'est... Jusqu'à présent, ça va, quoi. Je ne me suis pas fait vampiriser. Pour l'instant. Bon, merci en tout cas. Allez, on coupe ça.